on ne maudit pas son frère. Les fils des prophètes, ils ont mis la colocaine sauvage. Oui, mais Élisée ne les a pas maudits. Là, nous ne pouvons pas faire de telles choses que Dieu nous en garde. Amen. Mais sur la parole de Dieu, on doit être intransigeant. Amen. Quel que soit qui il soit. Oui, frère. À la page 905 à 906. Branham. Oui. Enseignez-vous que l'épouse. Question 331. Frère Branham, est-ce que vous enseignez que l'épouse ne doit pas aller? Oui. Ne doit aller? Oui. Dans aucune église? Est-ce que vous enseignez que l'épouse ne doit aller dans aucune église? À moins que ce ne soit vous. À moins que ce ne soit vous. Qui prêchiez. À moins que ce ne soit vous. Qui prêchiez. À moins que ce ne soit vous. Qui prêchiez. Qui y prêchiez. On ne doit pas aller dans une église à moins que ce soit toi qui prêches là-bas. Est-ce que tu enseignes ça? C'est pas le... ce que Joseph Branham il doit même dire. Ramener Branham à la chair. Établir une plateforme pour que maintenant on puisse jouer les bandes. Le ramener à la chair. Est-ce que Branham, tu enseignes qu'on ne doit pas aller dans une église à moins que ce soit toi qui y prêches? Parce que lui, pour lui, le fait que Branham prêche, c'est qu'on doit jouer les bandes uniquement tout le temps. Est-ce que la question n'est pas claire, frère? Donc on attend aussi une réponse claire là. Allons-y, frère. Oui. Ou sinon au tabernacle. Oui. Autrement dit. Autrement dit. Au tabernacle. Ou bien on doit venir uniquement qu'au Branham tabernacle. Oui. Et aussi. Oui aussi. Enseignez-vous que. Enseignez-vous que. Nous n'avons pas besoin d'observer. Oui. Le dimanche. Bon, ça c'est une autre question. Mais c'est une question à deux volets. Ok, maintenant il va répondre. Non. Au paragraphe 122. Oui. Non. Vous faites erreur. Vous voyez. Oui. Voyez. Voyez. Laissez-moi relire ça. Mm-hmm. Et il répond à mesure. Mm-hmm. Enseignez-vous. Enseignez-vous. Que l'épouse. Que l'épouse. Ne doit pas aller dans aucune autre église. On ne doit pas aller dans aucune autre église. Hein. Au moins. À moins que. Oui. À moins que ce ne soit vous qui y prêchez. Qui y prêchez dans cette église-là. À la chair. Ou sinon. Ou bien sinon. Autrement dit, au tabernacle. Ou bien on doit venir uniquement au tabernacle. Parce que c'est là que tu es. En d'autres termes, si c'est pas là où toi tu viens là, on ne doit pas aller ailleurs, l'épouse ne doit pas écouter autre chose. Ou est quelqu'un d'autre? Oui, frère. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il dit non. Je n'enseigne pas ça. Il dit quoi, frère? Je n'enseigne pas ça. Joseph Branham, William Branham n'a jamais enseigné ça. Il dit, je n'enseigne pas ça. Je ne crois pas ça. Il dit, frère. Il dit, je ne crois même pas de telles choses. Je n'y crois pas. Il ne croit pas en cela. Il n'a jamais cru en cela. Parce qu'il sait qu'à côté, pour que la parole soit répandue, il faut qu'il y ait aussi les Éphésiens. Il sait ça, c'est la parole. Il dit, je n'enseigne pas de telles choses. Je n'y crois même pas. Non, c'est un encouragement que je fais. Après encore, non, c'est ma révélation. Après encore, non, c'est ceux qui font ça, ils sont dans la volonté parfaite. Frère, ces choses-là ne rentreront pas ici. Et après, ça te va dire volonté parfaite, il met maintenant un programme de Branham Tabernacle où les gens doivent suivre. Oh, frère, on n'a pas mis ça, mais tu as la photo. Ok, on va présenter la photo. Donne, cherche. Il est mieux intéressé aux catholiques pour écouter calendrier liturgique. Entre ça et calendrier liturgique, là, où est la différence? Calendrier liturgique des catholiques, où on met les messes de l'année, du mois. Et le même message qu'on prêche dans chaque assemblée, c'est ce qu'on prêche partout. Frère, pourquoi on a quitté la dénomination, mon frère? Et est-ce que tu enseignes que personne ne doit aller dans une assemblée, à moins que ce soit toi qui y prêche? Ou bien autrement dit, on doit venir uniquement qu'au Branham Tabernacle ici. Il dit non. Oui, frère. Je n'enseigne pas ça. Il dit, je n'enseigne pas ça. Je ne crois pas ça. Il ne croit même pas ça. Je n'y crois pas. Il dit, je n'y crois pas. Nous avons des ministres. Il dit, on a des ministres. Assis ici. Qui sont assis ici. Qui sont dispersés partout. Ils sont dispersés partout. À travers le pays. À travers le pays. Et je crois. Et je crois. Ils sont une partie de cette Ils épouse. Ils sont une partie de cette épouse aussi. Amen. Amen. Il n'a jamais prêché de telle chose. Il n'a jamais. Ça, c'est une pensée humaine que les gens... Vous voyez,
de toi, personne ne doit prêcher. Il a frappé l'esprit. L'esprit change encore, il va ailleurs. On ne doit pas aller dans une église, mais que ce soit toi qui y prêches. Il a frappé l'esprit. Pourquoi il a dit que Luther, s'il est resté au-dessus de tout le fanatisme de son temps, parce qu'il était dans la lucidité, il n'est pas rentré dans le fanatisme. Il y a des fanatiques. Des fanatiques idolâtres qui existent. Des fanatiques. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis d'Apollos. C'est du fanatisme. Je suis de Paul. Il dit qui est Paul? Qui est Pierre même? Des hommes par le moyen desquels vous avez cru. J'ai planté. L'autre a arrosé. Dieu a fait croître. Nous tous, on était dans la dénomination. Dieu a fait sortir son prophète de la dénomination. Il lui a révélé le message. Quand il a crié, on est sorti. Mais ce message-là, comment il va être répandu? Comment? Une seule personne dit qu'il ne peut pas le faire. Chacun pour sa part. Mais en restant à sa place. Amen. C'est le plus important. Amen. N'apporte pas tes révélations à toi. Oui, frère. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix. Peut aller à l'église de son choix. À n'importe quelle église qui enseigne la parole. À ceux qui disent faut aller au Paname Tabernacle. Comme si en dehors du Paname Tabernacle, il n'y a pas un autre lieu où on peut se réunir. Pour écouter la parole, pour écouter les prédicateurs prêcher le message. Chacun est libre d'aller là où il veut. À moins que ce soit le message. Oui, frère. Et je crois que. Il dit, je crois que. S'il n'enseigne pas toute la parole. S'il n'enseigne pas toute la parole. Et que vous ne pouvez pas aller à l'église. Et que vous ne pouvez pas aller à l'église. À un autre endroit. À un autre endroit. Où ils enseignent toute la parole. À un autre endroit où ils enseignent toute la parole. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Allez là où ils enseignent la moitié de la parole. Vous voyez, mais il dit, il ne faut même pas te voir rester comme ça même. Parce qu'il sait que la communion est très importante. Ah. Tabor Wins Beatty, le pasteur de ce mouvement-là, à Abidjan ici, un ancien kakouiste. Il était kakou Philippe, il était le numéro 2 même de kakou Philippe. Et il est sorti, il cherche encore un nouveau successeur à Branham. Et Jean, voici le programme d'écoute du nouvel an donné par notre prophète Joseph Branham. Parce que lui, il veut toujours avoir un prophète à qui il adore. Pour être à l'aise. Un homme a une fois fait de tels programmes de son vivant. Programme de nouvel an pour l'épouse, donné par Frère Joseph Branham. Jeudi soir, 31 décembre, l'heure de votre choix. C'est ça que vous devez écouter. Prêchez le 31, 12e mois, 60, à Paris, chapitre 4 et 1. Et le vendredi matin, 1er janvier, l'heure de votre choix. Elle est la même brochure. Ce qu'on a écouté le mercredi, on vient écouter la suite le vendredi. Parce que ça, c'est chapitre 4, le verset 2. Chapitre 4, deuxième partie. Ça, c'est chapitre 4, première partie. Maintenant, encore le dimanche 3 janvier, à 14h, heure de Dieu fait son vie, vous devez écouter Apocalypse, chapitre 4, troisième partie. Ce n'est pas le calendrier liturgique qui est là. Et c'est Joseph Branham qui fait ça. Et lui, il va dire qu'il n'est pas contre les effets. Donc, une église n'est pas libre pour faire le choix de ce qu'elle va écouter. Il faut que ça quitte dans un siège mondial. C'est pas le calendrier liturgique qui est là sous une autre forme. Ok, frère. Et l'ordre le plus élevé, le pasteur Lévi, je n'ai rien à voir avec ce que Lévi fait ici. Et même Lévi qui était au Paname Tabernacle, il a gagné dans le message. Il dit quand Lévi prêche, lui là, il n'impose rien à Lévi. Mais quand toi tu dis voici ce qu'on doit écouter partout, ça veut dire quoi? C'est ce que ça peut influencer que ça va influencer. Amen. Ça ne nous influence pas. Amen. Frère, oui, allons-y. Bien sûr, 352. Oui, allons-y. Frère Branham, nous n'avons plus que 10 minutes maintenant. J'ai besoin d'une montre, oui. Oui, non. Par rapport à les 11h45, oui, allons-y, allons-y. Frère Branham, nous n'avons pas de prédicateur. On lui pose maintenant une question. Frère Branham, on n'a pas de prédicateur là où on est. Oui. Là où nous habitons. Là où nous habitons. Mais nous avons une réunion. Ça veut dire qu'ils sont quittés loin.
Mais on a eu une réunion. Où on écoute une bande le dimanche soir. Mais chaque dimanche seulement. Comme il n'y a pas de prédicateur, on se réunit pour écouter les bandes. C'est-à-dire que la personne sait qu'un prédicateur est important. Mais comme il n'y en a pas là, il y a une réunion où on fait et on écoute les bandes seulement les dimanches soir. Et nos enfants aussi là, elles sont bien laissées aller dans d'autres églises. Et Branham répond. Il dit que vous devez surveiller. Allons-y, oui, allons-y. Devons-nous amener nos enfants? Oui. À une autre église ou l'école du dimanche. Pour l'école du parce que nos enfants, si on ne doit pas les laisser comme ça. Parce que les enfants ne peuvent pas comprendre. Les gens sont assis là, ils mettent les choses, ils écoutent. Or, l'enfant aussi doit être éduqué dans la voie du Seigneur. Amen. Donc, nos enfants, est-ce qu'on doit les laisser aller dans les autres églises là? Oui. Les réunions d'écoute de bande sont-elles suffisantes? Et elle pose la question, est-ce que les réunions d'écoute les de bande d'écoute de bande là sont-elles suffisantes? Est-ce que c'est, ça suffit? Le fait qu'on se réunit là-bas pour écouter les bandes chaque jour, est-ce que ça, là, ça suffit? C'est-à-dire qu'elle elle a soif aussi d'écouter un prédicateur. On se réunit là, on met bande parce qu'il n'y a pas de prédicateur. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait le prédicateur. Est-ce qu'elle écoute des bandes là-haut? C'est suffisant seulement. Si j'ai un problème, auprès de qui je vais aller me confier? C'est bon, je vais mettre. Si entre le frère et moi, il y a quelque chose, et que je me plains de lui, bien lui se plaint de moi, c'est auprès de qui on va aller. Si je ne comprends pas quelque chose, c'est qui je vais aller voir pour bien m'expliquer. Est-ce que une réunion d'écoute des bandes est suffisante? Donc, il y a quelque chose, entre toi et ton frère, tu mets bande. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, frère, allons-y. Eh bien, ça dépendra de vos enfants. Il dit, pour aller dans une église, ça dépend de vos enfants. Et oui. Comment ils progressent? Et comment vos enfants s'y croissent? Voyez. Bon, si vous amenez vos enfants qui sont jeunes et que vous les amenez dans quelques groupes, oui. Là-bas, où on va leur bourrer le crâne. Tu vas pas laisser tes enfants aller à l'église catholique? Puis on va les prêcher là-bas, Vierge Marie. Il faut prier les saints. Donc, si je suivais ça aussi. Donc, vous voyez comment il y avait les difficultés. Mais s'il y avait un prédicateur, il allait avoir une assemblée. L'ordre allait venir dans l'église. Les choses allaient commencer. Et on allait prendre soin de toutes ces choses-là. Oui, frère. Je ne le ferai pas. S'il semble. À votre place, il n'y a pas laissé mes enfants laisser dans un coin où on va les brûler la tête. Oui. S'il semble apprendre suffisamment. Oui. Au moyen des bandes. Au moyen. S'ils semblent apprendre suffisamment par le canal des bandes. Et tout. Et que vous. Disons que vous les mettiez dans une église catholique. Que vous les ameniez à l'église catholique. Oui. Que vous les ameniez. Oui. Dans quelque chose comme ça. Ça, je ne le conseille pas. Ça, je ne conseille pas ça. Oui. Mais bon. Bon. Si vous avez une belle petite église là-bas. Qui est peut-être en désaccord sur deux ou trois points avec vous et que vos enfants veulent aller à l'école du dimanche que ces gens-là sont du plein évangile ou quelque chose comme ça, deux ou trois points avec lesquels n'est pas d'accord, ne restez pas comme ça. Il y a des frères qui se retrouvent à l'intérieur, des fois ils appellent, mais là-bas on sait qu'il y a les tonneries, il y a aussi les banamis. Il y a un frère même qui avait nous voit que lui ne croit pas que les sept tonnerres soient révélés. Mais il est à Boisfré. Il a fait 5 ans là-bas. Donc il était obligé d'être là-bas. Mais jusqu'à présent, son âme ne supporte pas ça. Et il a préféré sortir. Puisque lui-même, il travaillait aussi dans le champ, dans le ministère. Et il travaille aussi avec ce dernier. Il dit, mes frères, si Dieu t'a appelé au ministère, il faut prier. Si tu te sens poussé, mais pourquoi tu vas aller croire en ça, alors que Dieu t'a poussé aussi, il t'a appelé au ministère. Vous voyez, il y a ces cas comme ça, nos frères qui vont à l'intérieur, à les frères, ils vont affecter. C'est pas notre souhait. Voilà. Mais c'est bon aussi d'être dans une communion. Quand tu es là-bas, tu es seul, là, ta flamme va s'éteindre. Ceux avec qui tu vas marcher là, et ce programme de bière 66, aller dans bar, dans maquis, ils vont jamais même te présenter la parole. La flamme risque d'essayer, alors qu'il est bon pour les frères et de demeurer ensemble. Oui, frère, allons-y. Mais bon. Bon.
si vous avez une belle petite église là-bas. Si vous avez bon, si il y a moins deux ou trois points, quand même bon, vous pouvez. Vous voyez. Non, il n'était même pas contre le fait qu'il y ait communion. Mais il ne faut pas les envoyer dans une dénomination catholique où on va les tuer les mêmes encore. Oui, frère. Qui est peut-être en désaccord. Oui. Sur deux ou trois points avec vous. Oui. Et que vos enfants veulent aller à l'école du dimanche. Oui. Que ces gens-là soient du plein évangile. Oui. Ou quelque chose comme ça. Eh bien. Eh bien. C'est parfaitement en ordre. C'est en ordre. C'est pas mauvais. Oui. Mais vous voyez, quand vous arrivez quelque part. Oui. Ça dépend de la manière dont vos enfants le reçoivent. Voyez. Observez ce que vos enfants font. Et observez ce que vos enfants font. Oui. Ce que. Comment ils réagissent à ça. Oui, frère. Question 353. Termine, oui. Voyez un peu. Si l'on n'a pas d'église. Si on n'a pas d'église. Où aller. Où aller dans ce cas-là. Devrait-on simplement écouter les bandes. Est-ce qu'on doit simplement écouter les bandes. Oui. Il dit, dans ce cas, vous pouvez les. Il n'y a pas un bon parti dans les banques. Dans ce cas, il faut mettre si tu as ta brochure. Tu te mets à lire ta brochure. Si tu as ta banque, tu écoutes ta banque. Il n'est pas en train de dire que banque là, c'est ça, on doit mettre. Voilà. Non, non, non. Mais comme il n'y en a pas et que vous faites-le, sinon c'est bon qu'il y ait la communion. Il pourrait dire que les banques là sont suffisantes. Mais lui-même sait que la personne étant là-bas, là, il n'y a pas la communion. Il peut y avoir des problèmes, des difficultés. Toutes ces choses. Il faut qu'elle soit conduite. Donc, cherchez un coin, quand même. Mais s'il n'y en a pas, écoutez, bande. Est-ce qu'il a dit que là, les bandes sont suffisantes uniquement qu'en tout temps? Il a même dit que s'il n'y en a pas, écoutez. Est-ce qu'on se comprend là? Ok, on va prendre aussi page 926. Page 926, 216 là. C'est ça, on vient de dire, ok. Prends la page 927 à 928. 119, 219 à 223. Ici. Oui. Ils ont continué encore. Oui. Cher bien-aimé. Cher bien-aimé. Voyons un peu. Au sujet du passage d'Éphésiens 4, 11 oui. à 13. On lui pose la question. Au sujet d'Éphésiens 4, 11 à 13. Oui. Est-ce que nous tous là. Est-ce que nous recevons. Oui. Tout le perfectionnement des faits. Est-ce que. Le perfectionnement des saints là. Oui, allons-y. Est-ce que nous recevons tout le perfectionnement des saints? Nous recevrons tous. Oui. Par les bandes. Oui. Où devrions-nous être ici? Ok. Les Éphésiens 4, 11, au sujet de ça, est-ce qu'on doit recevoir le perfectionnement des saints par les bandes? Où devrions-nous oui. être ici? Où on doit être ici au Branham Tabernacle? Où il y a les dons de l'esprit en action? Il y a les dons déjà ici. On doit tous venir ici pour être perfectionné. Ou bien on va recevoir aussi le perfectionnement des saints par les bandes. Là, c'est une question directe. Il coupe le débat là. Ou bien frère, allons-y. Oui. Est-ce que la différence fonctionne dans l'église? Puisque ou bien on doit venir au Branham Tabernacle ici. Il y a un regard que les gens font pour orienter les gens vers le Branham Tabernacle. Même dans leurs questions. Où on doit venir ici? On doit venir ici. Parce qu'il y a déjà les dons ici dans leur fonction à l'œuvre. Ou bien les bandes là, c'est ça qui va faire le perfectionnement des saints. Oui, frère, allons-y. Maintenant, cette personne est de l'Oregon. Il dit, je connais lui qui a posé cette question. Il n'est même pas même à Jefferson Ville. Il dit, il est de l'Oregon. Oui, frère. Je crois que je sais qui c'est. Il dit, je crois que je sais qui c'est. Voyez. Oui. C'est oh oui. Je le sais bien sûr. Oui. Que je le sais. Votre garçon. Ça, c'est en 1964. Oui, frère. Votre garçon. Si cette personne est ici. Oui. Je sais que vous. Oui. Sinon. Ok, point ici. Oui. Non. Non. Oui. Ils veulent venir à l'église ici. Ils veulent venir à l'église ici. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Voyez. Ou bien écouter les bandes. Pour le perfectionnement des saints. Oui. Nous avons la communion. Les uns avec les autres. Il dit ici là, nous on communie avec tout le monde. Et entre nous aussi, on a la communion les uns avec les autres. Oui, ici à l'église. Ici au Branham Tabernacle. Mais le perfectionnement. Mais quoi? Le perfectionnement. Mais le perfectionnement. Se fait entre nous et Dieu. Se fait en qui? Entre nous et Dieu. Par les bandes. Où est-ce qu'il a dit que c'est les bandes qui vont nous perfectionner? La parole que tu reçois, qu'elle vienne par bandes.
par publication. Si elle ne fait rien en toi, tu ne seras pas perfectionné. C'est ça. Ça, là, c'est Dieu qui fait ça en tout et chacun. Oui, frère, allons-y. C'est le sang de Christ. Ça, c'est le sang de Christ qui nous perfectionne. La Bible dit, c'est de lui que tout le corps bien ajusté tire sa force. Pour sa croissance dans la maturité. Ça, c'est clair. Quand on te prêche tout, mais c'est Dieu qui va faire ce travail dans toi. C'est le Saint-Esprit. C'est pas Banda. Là, il allait dire que c'est les bandes qui perfectionnent les saints. Lui, c'est fini, frère. Le débat est clos. Allons-y, frère, oui. C'est le sang de Christ. C'est le sang de Christ, hein? Qui nous perfectionne. Qui nous perfectionne. Dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Où est-ce qu'il a dit ces bandes pour nous perfectionner? Où? Il est à l'église ici. Tiens, termine. Jusqu'à. Allons-y. Jusqu'à maintenant, il parle de quelque chose qui est arrivé au Banam Tabernacle. Que Mévi m'a prophétisé sur quelqu'un qui était alcoolique. Lui, il ne pouvait pas faire quelque chose. C'est sans toucher à l'alcool. Donc, il partait prendre les médicaments même pour s'empêcher de boire. Mais Mévi a prophétisé pour lui dire que tu seras. Délivré. Et effectivement, il dit, depuis ce jour-là, sans médicaments, sans rien, le frère l'a même là. Il ne touche plus à l'alcool. Il cite cette histoire-là. Et à la fin, quand vous lisez, il dit, le perfectionnement viendra par Christ. Amen. On termine ici. Voilà, oui. Juste l'autre jour, il a dit quelque chose. Oui, frère. J'ai eu un appel. J'ai eu un appel. Dans une maison où je me trouvais. On m'a appelé un jour. Oui, allons-y. On se disait qu'il avait donné une prophétie à une personne. On dit qu'il a donné une prophétie à une personne. Il avait dit qu'un ivrogne. Qu'un ivrogne. Oui. Allait, qu'un grand changement allait se produire immédiatement. Oui. En lui. En lui. Ou quelque chose comme ça. Et l'homme en question, l'homme en question, avoir été chez les alcooliques anonymes, il était toujours alcoolique. Voilà. Ils font des mouvements où les gens s'asseyent. Et moi je suis alcoolique, chacun se vide. Vous voyez ça dans les films, non? Oui. Voilà, moi je suis alcoolique, je ne supporte pas la boisson. En tout cas, chacun fait pour lui. Il y en avait des alcooliques anonymes. Il a fait tous ses programmes. Zéro. Oui, allons-y. Et voici que depuis 68 jours. Depuis 68 jours. Il n'a même pas pris une goutte d'alcool. Il n'a même pas pris une goutte d'alcool. Ni aucun médicament pour ça. Aucun médicament. Ni rien. C'était Frère Neville. Il dit c'est Frère Neville. Il lui avait donné une prophétie. Il avait donné une prophétie. Donc oui. Nous avons quelques-uns des dons en action. Parce qu'il avait venu parmi nous. Parce qu'il y a des dons. Mais est-ce que lui a-t-il les regards des hommes en âme tabernacle? Il dit c'est vrai, il y a quelques-uns des dons. Il y en a qui parlent en âme, mais lui même a prophétisé la dernière fois sur quelqu'un. On a ces dons-là parmi nous. Oui. Et nous serons très heureux. On sera aussi contents. D'avoir de la communion fraternelle. D'avoir de la communion fraternelle. Avec n'importe lequel d'entre vous. Avec n'importe qui d'entre vous. Qui a une façon de travailler. Qui a une façon de travailler. Ou qui désire venir fraterniser. Oui. Avec nous. Tout ce que nous pouvons faire. Oui. Nous sommes très heureux de le faire. On est heureux de le faire. Oui, voyez. Mais le perfectionnement. Ça appartient à Christ. Au Banda. À Christ. Ça appartient à Christ. C'est Dieu qui va faire ce travail-là. Frère, où est-ce qu'il a dit c'est les bandes? On va prendre. Tu as trouvé? On continue encore. Ça, c'est pas la page 997. COD. Question et réponse numéro 4. Page 997. Ok. La question 426 et le paragraphe 175. Oui. Est-ce que nous pouvons encore brûler d'ardeur et prêcher l'évangile? On lui pose la question. Toujours, est-ce qu'on peut prêcher? Brûler d'ardeur et prêcher. Oui, frère. Est-ce que ce temps est terminé? Est-ce que le temps de prêcher est terminé? Oui. Est-ce que ce temps-là est terminé? Oui. Non. Il dit, il n'y a pas un temps où il est prophétisé. Que prêcher là sera terminé. Il dit non. Continuez à prêcher. De toutes vos forces. De toute votre force. Frère. Ne lâchez pas. Ne lâchez même pas. Je vous donne mon appui. Il dit je vous soutiens. Je vous donne mon appui.
continuez à prêcher. Où est cet esprit-là qui dit aux gens, on n'a qu'à s'asseoir et on n'a qu'à écouter moi. En 64, pas le paragraphe 182 à 186, la question 428. Frère Branham, oui. Frère Neville m'a dit, par prophétie, oui, que ainsi dit le Seigneur, je recevrai le Saint-Esprit. Alors qu'il m'a dit avec cette assurance, que je recevrai le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Oui. Devrais-je continuer? Est-ce que je dois continuer à croire? Oui. Mais bien sûr, faites ça. Il dit bien sûr, faites ça. Continuez à croire. 182 à 186. C'est ça, non? Allons-y, oui. Continuez à croire. Remarquez. On a prêché ici, non? Sur la grâce, ces trois œuvres. La sanctification et la justification, le baptême de l'esprit. Il faut que quelque chose se passe en toi. Ne te limite pas à la foi. La foi est bonne, oui. Mais quelque chose doit se passer en toi. Amen. Tu dois recevoir quelque chose. Ce n'est pas parler en langue, non. Mais quelque chose doit se passer en toi. Nous croyons cela. Oui, allons-y. Remarquez. J'étais chez Frère Wood hier. Il dit remarquez, j'étais chez Frère Wood hier. Au moment où on a reçu un appel téléphonique d'un homme qui est dans un fauteuil roulant. Qui était venu ici. Oui. Avec un fardeau. À 182 à 186. Oui. Avec un fardeau. Pour un frère. Ou pour quelqu'un qui était. Qui était alcoolique. Qui avait été chez les alcooliques anonymes. Oui. Qui avait reçu des piqûres à l'hôpital. Oui. Et tout. Il n'est pas encore la même histoire. Oui. Et Frère Neville. Soit par un parler. Oui. En langue ou autre. Oui. Il a donné une prophétie. À cette personne. Il a donné la prophétie. Oui. Qu'il arriverait quelque chose de bien. Il va arriver quelque chose de bien. À cet homme. Dans les quelques jours. Oui. Qui allait suivre. Ou quelque chose comme ça. Oui. Et l'homme a téléphoné pour dire que cet homme-là, depuis 68 jours, maintenant qu'il a quitté l'hôpital, oui, il n'a pas pris un verre. Il reprend la même chose. Oui. Aucun médicament. Pour l'empêcher de boire. Ni rien. Et la chose que Neville avait dite. Par prophétie, c'est accompli. Loué soit l'Éternel. Nous croyons que notre frère, oui, est un homme de Dieu. On croit que Neville est un homme de Dieu. Oui. Cher frère Branham, oui. Maintenant, attendez. Attendez, oui. Je vais m'arrêter là. Une petite minute. Oui. Où? Or, c'est ça que j'essaie de dire aux gens. Oui. Frère Neville croit. Oui. Le même message que moi. Parce qu'il y a un esprit qui veut accuser Neville que c'est un faux. La dernière fois, prophétie, il n'a qu'à quitter la même. C'est toi qui dois prêcher. Vous voyez, il voit la pensée. Va venir une vie, je vois qu'il y a beaucoup de frustration dans ton cœur. Je sais le fardeau que tu portes. Parce que les gens, vraiment, c'est Branham qui doit prêcher. Lui, c'est le prophète. L'autre, là, il n'a qu'à quitter là. Et une vie est là, puis il y a un peu ces questions. En dehors de toi, personne ne doit prêcher. En dehors de toi, personne ne doit prêcher. Parce que ça circulait autour. Mais ça ne venait pas devant lui. Quand les frères entendent ça, ils viennent poser la question. Et Branham casse ça. Ça passe à quoi ailleurs? Ça pose la question. Il casse ça. Ça passe à quoi ailleurs? Il a prophétisé une fois là, depuis là, rien. Il voit l'esprit de la question. Ça veut dire que tout cela n'est qu'à dégager de la chair. Il dit une minute. Oui? Frère Neville, là, croit le même message. Il croit le même message que moi je crois. Frère Caps. Frère aussi Caps. Frère Biller. Frère Rudel. Tous ces frères ici. Tous ces frères là. Croit le même message. Il croit le même message. Que moi je crois. Oui. Il le prêche. Il prêche le message. Comme moi. Et si vous le voulez. Oui. Que vous le voulez vraiment. Que vous avez l'intention, oui, de déménager. Que vous allez prendre, oui, votre retraite, mm-hmm, ou quelque chose. Oui. Et que vous voulez venir, oui, pour la parole. Oui. Venez ici. Venez au tabernacle. C'est là que vous l'entendez. Jusqu'à 186. Oui. Ce sont des hommes saints. Ceux-là.
Ce sont des hommes saints. Oui. Ce sont des hommes. Oui. Qui ont le même Saint-Esprit. Oui. Que vous, que moi. Que moi. Il attend de dire que Neville n'a pas son Saint-Esprit à part. Moi, vraiment, je n'ai pas mon Saint-Esprit à part. Si tu veux venir écouter la vie, mais toujours en dehors de toi, il n'y a pas quelqu'un. Si on va te dire que ce n'est pas toi, c'est quel esprit ça? C'est quel esprit? C'est un faux esprit. Ils ont le même Saint-Esprit que moi. Dieu lui a fait grâce d'être notre prophète. Mais est-ce qu'il a dit aux gens qu'il ne faut pas qu'ils vont prêcher? Ils n'ont qu'à s'asseoir. Il dit, Neville a le même Saint-Esprit que moi. C'est la dimension qui change. Là où Dieu place l'autre. Mais ils sont dans une équipe. On a besoin chacun de l'autre. L'attaquant, il a sa place. Le défenseur a sa place. Le gardien a sa place. Nous sommes un corps, chacun a sa place. Et les gens avaient cet esprit-là. Et ça frustrait beaucoup les vieux. Quand Branham a quitté là, tous les pasteurs qui sont passés là, cet esprit-là les a combattus. Connus même, il a quitté le Branham, il a fait l'œuvre ailleurs. Maintenant, lui, il annonce, dès que je viens là, c'est les bandes là, écoutez. Et voilà, je viens maintenant. Vous voyez un peu, frère. On va prendre la prédication, les thèmes de Satan. Parce qu'il dit que les gens disent qu'on doit écouter le Branham, mais eux aussi, on n'a qu'à les écouter. Que ça, c'est le diable. Alors Samuel, dis au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. Le même Dieu qui a établi le prophète, c'est le même Dieu qui a établi les Éphésiens. C'est-à-dire que Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes et les docteurs. C'est le même Dieu aussi d'Amos 3, 6, là, il ne fait rien sans avoir révélé son secret, c'est que les prophètes. Les deux là, c'est Dieu qui les a établis. Mais chacun doit rester dans sa place, dans sa position. Que l'Éphésien ne vienne pas se passer pour un prophète messager qui apporte maintenant sa révélation en lui. Parce qu'on voit ça aujourd'hui. Et des gens ont créé leur courant, eux. Ministère de la voix de la révolution chrétienne. Alors que tu n'es pas prophète. L'autre sort, Kakou, Philippe lui-même, il est pire même. L'autre sort, MVM, Zakba, David. Vous voyez, frère. Chacun apporte sa révélation, l'autre sort. Dieu est noir. Abraham est noir, David est noir. C'est ça qui est mauvais. C'est ce qui est mauvais. On ne doit pas faire de telles choses. C'est Dieu qui a établi Moïse. C'est le même Dieu qui a établi Aaron. Ce n'est pas un autre Dieu qui a établi Aaron. Le même Dieu qui envoie les prophètes, c'est le même Dieu aussi qui a établi les Éphésiens. Vous pouvez dire, Névi et moi, là, on a le même Saint-Esprit. Oui, allons-y. Dans Deutéronome 17, 8 à 12. Deutéronome 17, 8 à 12. Oui, frère. Si une cause relative à un maître. Dans la loi, il est dit que si une cause relative à un maître. Oui, un différent. À un problème. À une blessure. Oui. Il te paraît trop difficile à juger. S'il y a un problème là, entre frères, c'est un vent de la mettre pour régler ça. Il dit si quelque chose te paraît difficile à régler, oui. Te paraît trop difficile à juger. À juger, oui. Et fournit matière à contester. Et ça. Dans tes portes. Dans tes portes, oui. Tu te lèveras. Tu vas te lever, oui. Et tu monteras, oui. Au lieu que l'Éternel, ton Dieu, oui. Choisira. Allons-y, frère. Tu iras vers les sacrificateurs. Tu vas aller vers les sacrificateurs. Les Lévites. Les Lévites. Et vers celui. Oui. Qui remplira alors les fonctions de juge. Et vers celui qui va remplir les fonctions de juge. Tu les consulteras. Tu vas les consulter. Et ils te feront connaître, oui. La sentence. Il y a des juges dans la maison de Dieu. Que deux ou trois parlent, que les autres jugent. Quand vous avez des problèmes entre vous, pourquoi vous plaidez devant les injustes? Y a-t-il pas quelqu'un de spirituel parmi vous pour juger entre frères? Oui, frère. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront. Oui. Dans le lieu. Que choisira l'Éternel. Que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir. Et tu auras soin d'agir. D'après tout ce qu'ils t'enseigneront. D'après tout ce qu'ils t'enseigneront. C'est vrai, Moïse a reçu la loi de Dieu. C'est vrai. Mais à côté, il y avait Aaron, qui était son porte-parole. En d'autres termes, un messager dans le message. Un messager mineur, auxiliaire. Parfois, le prophète ne pourrait dire que quand le pasteur est à la chair, il est un ange de Dieu. Il est un messager de Dieu. Mais pas comme un prophète, mais un messager auxiliaire. C'est un envoyé de Dieu. Oui, frère. Tu dois te conformer à ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras, oui.
à la loi, à la loi qu'ils t'enseigneront, qu'ils vont t'enseigner, et à la sentence qu'ils pourront prononcer. Donc, ils prononcent la, ils enseignent la loi, ils prononcent la sentence. Oui. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront. Est-ce que Dieu a arrêté cette manière de faire? Hein, frère? Il n'a pas arrêté cela? Oui, frère. Tu ne te détourneras, oui, de ce qu'ils te diront. Te diront. Ni à droite, ni à droite, ni à gauche, ni à gauche. L'homme qui part orgueil, l'orgueilleux qui va s'élever, oui, n'écoutera pas, qui n'écoutera pas. Le sacrificateur placé là, le sacrificateur placé qui n'écoutera pas. Donc le sacrificateur aussi on l'écoute. C'est l'orgueilleux qui ne peut pas écouter le sacrificateur. Parce que ce qu'il va t'enseigner là, ça ne quittera pas dans sa tête. Hein. C'est la loi de Moïse qu'il va prendre pour t'enseigner. C'est dans la loi qu'il va prendre pour t'appliquer la sentence. Donc l'homme qui va orgueil n'écoutera pas le sacrificateur, oui. Placé là pour servir l'Éternel, oui. Ton Dieu, oui. Ou qu'il n'écoutera pas le juge. Le juge. Cet homme sera puni de mort. Dieu même n'a jamais arrêté ça. Deutéronome, frère. 33, le verset 4. D'abord. Oui, et le verset 8 à 10. Tu prends Néhémie 8, 5 à 8, frère. Deutéronome 33, oui. 4 et 8 à 10. Allons-y, frère. Moïse nous a donné la loi. Moïse nous a donné la loi. C'est comme ça. William Branham est venu avec le message. Amen. Oui, frère. Héritage de l'assemblée de Jacob. Héritage de qui? Héritage de l'assemblée de Jacob. Moïse a donné la loi. Héritage de ses enfants. Héritage de l'assemblée de Jacob. William a envoyé la loi. Ce n'est pas héritage de Joseph Branham. Ni même de ses enfants. La Bible, c'est héritage de l'assemblée de Jacob. Amen. Or, l'assemblée de Jacob, c'est Israël. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est notre héritage à tous. Amen. Tu as ton droit. Personne ne doit t'arracher ce droit-là. Lui qui veut vendre son droit de prédicateur, parce que des millions vont quitter aux États-Unis, c'est son problème. C'est son problème. Prends le verset 8. Oui. Le verset 8. Uh-huh. Si Lévi, il dit. Oui. Si Lévi, il dit, Dieu dit. Illumine. Les Toumim et les Urim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Bah, le prophète pouvait dire quoi? Les Toumim et les Urim aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. Et les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. À Lévi, oui. Que tu as tenté à Massa. Que tu as tenté à Massa. Et oui. Avec qui? Avec qui? Tu as contesté aux eaux de Meriba. Vas-y, frère. Verset 9. Oui. Lévi de son père. Lévi, il fait quoi? Lévi de son père. Lévi, oui, de son père, il fait quoi? Lévi de son père. Oui. Et de sa mère. Oui. Il les a point vus. Lévi, il dit quoi? Oui. Lévi de son père. Lévi dit. Lévi dit. Voilà. C'est pas Lévi de son père, mais Lévi dit de son papa. Lévi dit de son père. Voilà, le dit là, tu n'as pas bien prononcé. Lévi dit de son papa. Lévi dit de son papa. Oui. Et de sa mère. Et de sa maman. Il les a point vus. C'est-à-dire que quand il est en train de faire le jugement, il ne connaît pas papa ni maman. Il doit dire la parole de Dieu. Oui, frère, allons-y. Il ne distingue point ses frères. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Il ne connaît même pas enfants même. Quand il les observe, oui, la parole. Il observe la parole. Oui, frère. Et il garde l'alliance. Il garde, Lévi garde ton alliance. C'est la bénédiction que Moïse a prononcée avant de mourir. C'est chaque attribut. Il garde ton alliance. Oui. Verset 10. Oui. Ils enseignent tes ordonnances ils à Jacob. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Et ta loi à Israël. Et ta loi à Israël. Le prophète pouvait dire que Lévi, capte cela. Écoutez-les. Ils vous enseigneront la parole. Ils vous enseignent la parole. Dans Néhémie 8. Verset 5. À 8. Oui. Esdras ouvrit le livre. Esdras a ouvert le livre. À la vue de tout le peuple. À la vue le livre de la loi. Il a ouvert le livre devant tout le peuple. Quand il était élevé au-dessus de tout le peuple. Il était sur une estrade. Oui. Et lorsqu'il lui ouvert. Et lorsqu'il a ouvert le livre. Tout le peuple s'était en place. Tout le peuple s'était en place. Esdras bénit l'Éternel. Esdras bénit l'Éternel. Le grand Dieu. Oui. Et tout le peuple répondit. Et tout le peuple répondit. En levant les mains. Oui. Amen. 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 Oui. Et ils s'inclinèrent. Et ils s'inclinèrent. Ils se prosternèrent devant l'Éternel. Ils se prosternèrent devant l'Éternel. Le visage contre terre. Le visage contre terre. Josué. Josué. Bani. Oui. Chérébia. Cite le nom des sacrés. Jemais. Oui. Akou. Akou. Shebataï. Voici les Éphésiens là. Odija. Oui. Masséja. Hein. Ketila. Oui.
Azaria, oui. Josaphat, Anan, Pelacha, oui. Et les Lévites, expliquaient, la loi au peuple. Après avoir lu la loi là, ils expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Il lisait distinctement. Dans le livre de la loi de Dieu. Et il a donné le sens. Pour le faire comprendre. Il mettait la chose à sa place. Il donnait le sens. Pas qu'il tronquait la loi de Moïse. Non, non. Mais il lisait la loi. Ils expliquaient. Il lisait, il donnait le sens de la loi. Dieu a-t-il arrêté de faire ça aujourd'hui? Jamais. Malachi 2, 4 à 7. Oui, frère. Malachi 2, 4 à 7. Oui. Si vous n'écoutez pas, oui. Si vous ne prenez pas à cœur, si vous ne prenez pas à cœur, de donner gloire à mon nom, de donner gloire, dit l'Éternel des armées, à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions, et je vais maudire vos bénédictions, oui, je les maudirai, oui, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, oui, je détruirai vos semences, je vais détruire vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage. Malachi 2, le verset 4 à 7. Verset 4 à 7. Oui. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Oui. Afin que mon alliance, oui, avec Lévi subsiste. C'est un ordre de Dieu. Je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance et Lévi, avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Oui. Mon alliance avec lui était une alliance. Et oui. De vie et de paix. De vie et de paix. Ce que je lui ai accordé, pour qu'il me craignit, oui. Il a eu pour moi la crainte. Il a tremblé devant ce mon nom. Dieu demande aux Éphésiens. On ne dit pas que nous sommes les Lévites de l'Ancien Testament. Eux, c'était un type des ministères des Éphésiens. Voilà. Comme les Timothée, les Tite et autres avec Paul. Ce que Dieu demande, c'est d'avoir la crainte. Tout serviteur de Dieu qui prêche le message doit avoir la crainte. Donc, sont là-bas, Yeshua Mashiach. Il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Le prophète a été passé au nom de Jésus-Christ, il a passé au nom de Jésus-Christ. Point. On s'arrête là. On ne va pas au-delà. Il faut avoir la crainte. Parce qu'il a vu une vision, il a dit, il a vu chaque ministre était là avec son troupeau. Qui, devant Dieu, tu vas comparer devant. Qu'est-ce que tu as enseigné au peuple? Oui, frère, allons-y. Il a eu de la crainte. Il a eu de la crainte. Et il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité. Était dans sa bouche. Et l'iniquité. Ne s'est pas trouvée sur ses lèvres. Voilà, il ne doit pas avoir l'iniquité sur tes lèvres. Il ne faut pas tronquer le message en injectant tes propres pensées. Oui, frère. Il a marché avec moi. Dans la paix et dans la droiture. Jusqu'au verset 7. Il a détourné, le mal, oui. Il a détourné du mal, oui, beaucoup d'hommes. Parce que la loi était dans sa bouche. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur, doivent garder la science. Elles doivent garder la science. Et c'est à sa bouche. Qu'on demande la loi. Parce qu'il enseigne la loi. C'est un messager auxiliaire. Oui, frère. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Il est un envoyé, pas comme le prophète, non. Il est un envoyé, il est un ange de Dieu aussi. Mais pas comme le prophète, non. Il est un messager auxiliaire, a dit le prophète. Le danger aujourd'hui, et ce sera notre conclusion, c'est que les gens ne restent pas fidèles dans le message. Mais nous, on sait que ça là, ça arrivera. Est-ce qu'au temps de Paul, Démas n'a pas abandonné? Est-ce que Hyménée et Philippe ne pensaient pas que la résurrection a eu lieu? Paul n'a pas livré à Satan. Paul n'a-t-il pas dit demain que Pierre n'a-t-il pas dit demain qu'il y a des faux prophètes qui se lèvera parmi vous aussi de faux docteurs qui enseigneront des choses pernicieuses? Mais quand même, il a dit aussi à Tito et à Timothée, prêche. Toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Prêche la parole, insiste. Il n'a jamais dit, bon, comme il y a des masques qui prêchent des faux doctrines, Timothée, c'est bon. Ne prêchez plus, assoyez-vous. Il y a des Tites qui marchent avec la parole. Il y a des Timothées qui marchent avec la parole.
Il y a les serviteurs de Dieu qui marchent avec la parole, ils existent. C'est pas pour autant, on va dire que tout le monde n'a qu'à s'asseoir. Parce que non, frère, ça c'est une mauvaise manière de comprendre les choses. Il est très important de dire ce que le prophète a dit. Et en disant, dire ce que le prophète a dit, il faut écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, la même chose, la voix de Dieu, c'est quoi? Parce qu'il y a un esprit derrière. Dieu a dit à Exode 4 et Exode 7, Moïse, Aaron sera ton porte-parole, ton prophète. Toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu vas les mettre aussi dans sa bouche. Et je serai avec votre bouche. Donc, Aaron joue le rôle de prophète, porte-parole de Dieu. Moïse joue le rôle de Dieu. Parce que Dieu, Moïse étant Dieu, dans ce rôle-là, il prend la parole pour la mettre dans la bouche d'Aaron directement. Et Aaron, maintenant, étant le prophète qui reçoit de Dieu, lui aussi donne sa opération. Elle a dit que la voix audible d'Aaron, c'est la même voix de Moïse. Mais on n'a qu'à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, là, c'est quoi? La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Qu'il reçoit directement de Dieu pour la donner au peuple. Amen. C'est pas le son audible de sa voix, là, qui est voix de Dieu. Non. C'est pas le son audible de sa voix. Quand on lui conseille de gouvernement et qu'on finit de faire tout, il n'y a pas quelqu'un qui sort qui est le porte-parole du gouvernement et il donne le décret, non? Décret 1, décret 2. Parce qu'il est sorti directement de la réunion et il donne ça au peuple. Mais quand le porte-parole du gouvernement, ce porte-parole-là, il a la même voix que le président de la République. Non. Voix de Dieu, là, il faut comprendre ça. C'est la parole de Dieu qui transmet aux gens. Sinon, c'est pas sa voix audible là qui est la voix de Dieu. Quand il faut écouter la voix de Dieu, qu'est-ce que c'est au juste? C'est la parole de Dieu, frère. Ça s'arrête là. Je te ramène tout à la parole. Frère, on termine avec cette prédication. Dans âge de Smyrne, exposé de cet âge, page 149 à 150. Frère. Oui. C'est là, on va s'arrêter. Oui, frère, allons-y. Là, oui. Remarquez. Remarquez ici. Oui. Que dans chaque âge. Dans chaque âge. Jésus. Par l'Esprit. Oui. Ne s'adresse qu'à une seule personne. En ce qui concerne. À une seule personne. En ce qui concerne. La parole pour cet âge-là. Voilà. La parole pour cet âge-là. Dieu s'adresse à une seule personne. En ce qui concerne la révélation pour une génération. Dieu s'adresse à une seule personne. Ça, c'est clair. Oui, allons-y, frère. Un seul messager. Pour chaque âge. Reçoit ce que l'Esprit oui. a dit pour cet âge-là. Pour cet âge-là, oui. Et c'est ce messager-là. Oui. Oui, et c'est ce messager-là, oui. Qui est le messager. Oui. Pour la véritable église. Pour la véritable église. Il parle de la part de Dieu. Par révélation. Comme Dieu pouvait dire à Moïse, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Donc il parle de la part de Dieu par révélation. Comme Moïse pouvait parler bouche à bouche à Aaron. Comme aussi le porte-parole du gouvernement. Il reçoit tous les décrets directement et puis il vient pour les donner. Il n'a pas laissé ça derrière l'individu. Non, c'est pas pour lui. Il vient pour les donner directement. Parce que ça vient du gouvernement. Oui, frère. Il parle de la part de Dieu. Par révélation. Par révélation. Aux églises. Aux églises. À la vraie et à la fausse. À la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous. À tous ceux qui sont athées. Oui. Par le message. Oui. Ce message n'est reçu individuellement. Oui. Que par un groupe particulier. Oui. D'une certaine façon. Oui. Chaque individu de ce groupe. Oui. Est quelqu'un. Oui. Qui a la capacité d'entendre. Ce que l'Esprit dit. Au moyen du messager. Parce que la révélation ne vient pas à tout le monde. Oui, frère. Ceux qui entendent oui. ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. C'est ça le danger. Est-ce que les Éphésiens ont une révélation particulière à eux? C'est ça les gens font aujourd'hui. Ils font croire qu'ils ont une révélation particulière. Une révolution chrétienne. Alors qu'ils prêchent le baptême au nom de Jésus-Christ.
les femmes ne doivent pas enseigner. Dieu t'a pas révélé ça. Tu n'as pas dit que tu lisais la Bible, lui qui a découvert ça. Dieu a révélé ça à quelqu'un. Pour dire, baptême, là, c'est au nom de Jésus-Christ. Femme ne doit pas prêcher. École pastorale, théologie, là, c'est le diable. C'est pas quelqu'un, Dieu a révélé ça. Tu ne t'es pas là dans ta révolution chrétienne et puis tu as découvert ça comme ça. C'est faux. C'est ça qui est le banditisme. Et c'est ça le M a fait. C'est ça MVM fait. Zakpa aussi, il sort là. Que non, il passait sous un arbre. Dieu lui a parlé. Donc après, Branham, c'est lui qui est là. C'est du mensonge. Allons-y, frère, oui. Ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu sa révélation particulière dans cet âge-là. C'est pas vrai. Pas plus qu'un groupe. Révélation particulière là. Ça, c'est il faut goûter d'abord à la femme. Ça, c'est sa révélation particulière. C'est pas biblique. Allons-y, frère, oui. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Voilà, clair. Oui. Mais chaque personne entend. Chaque personne entend et reçoit. Et reçoit. Ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Ce que tu prêches là, c'est ce que quelqu'un a déjà reçu de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, frère? Amen. Oui, allons-y. Voilà pourquoi, oui, la lumière vient à travers, oui, un messager donné par Dieu. La lumière vient à travers un messager donné par Dieu, oui, dans une certaine région. Dans une certaine région. Ensuite, oui, à partir de ce messager. À partir, il est impossible qu'une ou deux personnes apportent cette nourriture-là, qu'elles viennent par bande. Qu'elles viennent par prédication, par témoignage, les élus iront vers elles. À partir de ce messager, oui, la lumière se répand à travers le ministère. La lumière, la parole qu'il a prêchée là, à partir de lui maintenant, ça se répand par le ministère d'autres personnes. Papa, vous pouvez dire que Nevi a été enseigné dans ce message et il peut aussi prêcher la parole. Donc à partir de lui, par d'autres personnes là, ça se répand. Ça veut pas dire qu'ils doivent rejeter le message, non. Ou bien rejeter le messager, non, 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 non. Et même dire aux gens que c'est d'eux que ça vient. Non. Ils ont reçu ça à partir de quelqu'un. Il faut être honnête dans la maison de Dieu. Amen. Recevoir la parole de Dieu à partir de quelqu'un. C'est comme ça. Aaron a reçu à partir de Moïse. C'est comme ça. Timothée, ils ont reçu à partir de Paul. C'est comme ça. Non, il dit, à partir de ce messager, la lumière maintenant se répand, oui. Se répand, oui. La lumière se répand, oui. À travers le ministère d'autres personnes. À travers le canal de d'autres personnes. Paul pourrait dire à Timothée, ce que tu as reçu après deux mois, prêche ça. N'aie pas honte de moi. C'est comme ça. Il pourrait dire même à l'église, si quelqu'un vous prêche autre chose que ce qui a déjà prêché, qu'il soit en athée. N'est pas en train de dire qu'on ne doit pas prêcher. Non, mais on ne doit pas apporter autre chose que ce qui a été déjà apporté. Voilà comment les ministres de Dieu doivent marcher. Oui, frère. La lumière se répand, oui, à travers le ministère d'autres personnes. À travers le ministère d'autres personnes. Qui ont été fidèlement enseignées. Fidèlement enseignées. Oui. Mais il est évident. Mais il est tout à fait évident. Que tous ceux qui sortent. Que tous ceux qui sortent là. N'apprennent pas. Toujours. Ils n'apprennent pas toujours. Combien il est nécessaire. Il est nécessaire. De ne dire que. De ne dire que. Ce que le messager a dit. C'est clair. Mais tout le monde ne peut pas suivre cette même voie là aussi. Voilà pourquoi il s'élève aussi des Démas. Il s'élève aussi des Hyménées, des Philètes qui prétendent que la résurrection a eu lieu. D'où est-ce que vous tirez ça? Paul était obligé de les livrer à Satan. Non, ce n'est pas tous ceux qui reçoivent le message là qui vont rester dans la droite ligne aussi. Il est évident que tous aussi n'apprennent pas qu'il est important de dire que ce que le messager a dit. Oui. Termine, tourne. Oui. Oui, allons-y. Ils ajoutent ici. Ou ils retranchent là. Ils retranchent ici. Et avant longtemps, le message n'est plus pur. Oui. Et le réveil s'éteint. Oui. Comme nous devons veiller. Nous, on doit veiller. Et n'écouter qu'une seule voix. Car l'Esprit, oui, n'a qu'une seule voix. L'Esprit n'a qu'une seule voix. Qui est la voix de Dieu. Oui.
Paul les a avertis. Et Paul les a avertis. Vous devez écouter ce que j'ai dit. En même temps, vous devez prêcher ce que j'ai prêché. C'est ça, on dit écoutez. En prêchant ce que Paul a prêché, vous n'avez pas de voix à vous, mais vous prêchez le message que lui a prêché. Donc c'est à ça qu'il faut veiller. Voilà, Paul dit quoi? Oui. Paul les a avertis. De dire ce que lui, oui, il avait dit. C'est tout. Paul les a avertis de dire ce que lui a dit. Et Pierre. Et Pierre. A fait de même. Pierre a fait de même aussi. Oui. Il les avertit. Il les avertit. En disant que. En disant que. Même lui, Paul. Même lui-même, Paul. Ne pouvait pas changer une seule parole. Une seule parole. De ce qu'il avait donné. De ce qu'il avait donné. Par révélation. Par révélation. Oui. Oh, oh, comme il est important d'entendre, il est important d'entendre la voix de Dieu, la voix de Dieu, à travers ses messagers, à travers ses messagers, à travers ses messagers. Dieu a parlé à travers les messagers, et à partir de deux, dans chaque âge là, il y a aussi des messagers auxiliaires qui doivent répondre, mais ils doivent faire garde pour ne dire ou bien pour ne prêcher que ce qu'il a déjà prêché. Où est-ce qu'il a dit qu'en dehors de lui, personne ne doit prêcher encore? Il ne l'a jamais dit. Donc tu ne peux pas venir apporter une telle révélation à toi. Que c'est ta révélation à toi. Garde-la pour toi seul. Amen. Amen. Dernier frère, oui. Ne pouvait pas changer une seule parole, oui, de ce qu'il avait déjà donné par révélation. Par révélation. Oh, comme il est important. Il est important. D'entendre la voix de Dieu. Oui. À travers ses messagers. À travers ses messagers. Plus de dire. Plus de dire. Ce qui leur a été donné. Ce qui leur a été donné. A dit aux églises. Il faut dire ça. Dis non, Dieu lui a parlé, moi je ne dis plus rien. C'est lui qui est la carte. Dit non. Quand Dieu lui a parlé, toi aussi tu dois dire ce que Dieu a dit, si tu as appelé au ministère. C'est ça. Parce qu'ils existent encore. Lui me dit prier le maître de la moisson pour qu'il en voit beaucoup. Notre frère Isaac est là ici, il est quitté à tout le plus à côté de la frontière de Nigeria. Il dit, frère, est-ce que quand je suis venu ici, je n'ai pas apporté la nouvelle, le concernant, à Pantoquin. Il a quitté le ministère du à côté, mais il a sa famille et quelques amis avec qui il peut inviter. Ils se réunissent là, ils font leur culte. Il dit, frère, fais tout pour qu'il y ait au moins un prédicateur ici, mais c'est pour un mois ou deux mois qu'il va rester ici pour évangéliser. D'ailleurs, moi-même, mon travail ne peut pas me donner le temps. De le faire. On lui a donné aussi des conseils sur le poste qu'il occupe. Que tu es un ministre, un prédicateur, il faut faire très attention à ce poste-là. Comme c'est un poste circonstanciel, que toi-même tu l'as dit. C'est ça, mon frère Isaac. Voilà. Donc, trouver, il n'a qu'à trouver quelqu'un pour jouer ce rôle-là. Mais il a dit il faut qu'il y ait quelqu'un ici. Priez le maître de la moisson, qu'il envoie beaucoup d'ouvriers. Vous avez vu la soirée, on vous prêche, on vous prêche. Et il y a des gens aussi qui ont besoin de la parole. Bon, lui qui va vous prêcher là, il ne peut pas se multiplier en plusieurs. N'est-ce pas, frère? Il ne peut pas se multiplier en plusieurs. Il peut aller en mission, les gens ont besoin. On va voir, on peut nous appeler n'importe où. On doit répondre le message. Vous voyez? Donc il faut qu'il y ait des frères ici. Pourquoi j'ai les autres, les frères? Il ne faut pas regarder à ton âge. Même les frères qui enregistraient les bandes avec le prophète, le frère Léo Mercier et Djenné, dans la prédication, un drôle de personnage. Lisez ça. Pendant m'a dit à ce frère-là, Dieu t'a appelé plus qu'à enregistrer les bandes. Dieu t'a appelé aussi au ministère. Ce mec a enregistré les bandes. Et il leur a dit, Dieu t'a appelé au ministère. C'est comme ça, Léo Mercier et le frère Guéné et d'autres frères. Ils sont les frères l'œuvre. Ils ont commencé dans la maison. Dans le salon d'un frère. Et c'est comme ça que j'ai invité Branham là-bas. Et Branham, il allait prêcher. Un drôle de personnage. Prêcher le 31, 5 et moi, 64. Vous avez pris le paragraphe 4 et le paragraphe 106. Comme après. Non, par exemple, Dieu ne t'a pas appelé uniquement qu'à enregistrer bande. Même ceux qui ont enregistré bande là aussi. Il y avait des ministres parmi eux. Et ils sont allés faire l'œuvre dans une maison. Par exemple, quand il avait dit, je me rappelle au début, quand on a commencé l'œuvre dans la maison, tout, vous voyez, par exemple, a traversé l'eau pour arriver dans leur coin où ils sont là-bas. Un endroit avec clé. Lisez ça, cette brochure-là. Un drôle de personnage. 31, 5e mois, 1964. Mais quand il allait là, il a prié pour eux. Il dit, Seigneur, bénis-les. Quand ils vont prêcher au peuple là, il faut bénir. Il faut multiplier cette œuvre là dans leurs mains. Qu'il y ait des convertis.
n'a jamais dit bon, jouez toujours les bandes. Comme c'est vous-même qui administrez les bandes là, jouez toujours les bandes. Il dit, il a prié pour au paragraphe 106. Que quand ils vont prêcher, les gens n'ont qu'à les écouter. Il faut au moins ce qu'ils prêchent. Donc c'est ça qu'il y a des ouvriers qui doivent rester fidèles à la parole. Dieu bénit sa parole, frère. Je crois que tout a été dit, bien-aimé frère. Donc cette affaire-là, je pense que le peuple a été situé aujourd'hui. Est-ce que le peuple a été situé là? Amen. Donc frère, nous ne sommes pas contre le coup des bandes. Il n'y a pas de problème. Personne ne viendra nous imposer quelle bande a écouté et comment écouter les bandes ici. Jamais. Chaque assemblée locale est autonome et elle est indépendante. Nous sommes pour l'écoute des bandes, mais personne ne peut nous imposer ça. Et les bandes là, il y en a aussi en brochure. Donc il n'y a pas de souci. Nous-mêmes, en fonction de notre programme à nous, si nous le décidons, comment on va le faire? Mais quelqu'un vient d'arriver dimanche, il vient de quitter un catholique. Il s'est lié et puis il en met bande. Vous voyez? Mais on l'a prié. Tu vas dire, mais bande là, c'est quoi? Tu vas dire, non, c'est la voix de Dieu. Tu es obligé de lire. Tu dois toujours lui expliquer. C'est là le rôle des Éphésiens de nous. C'est ça. Le mec qui va étudier la Bible et la prêcher, là, il va le message. Le message n'est pas hors de la Bible, le message est dans la Bible. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Priez pour notre frère Guizot. Parce que c'est dans ces choses-là, il s'est écouté aujourd'hui. Il y en a encore. Je lui ai dit qu'il y en a qui presque on est déjà dans le millénaire. Avec déclaration de William Branham. Il y en a même qui presque, c'est le sang de William Branham là même qui nous a délivré de tous nos. Que Jésus de Nazareth l'a lui, c'est un soulage. Du fait de faire que son sang ne peut pas nous racheter. Il dit que William Branham, Dieu l'a mis à part. Il ne voit pas, ne fume pas. Mais il est élu. Jean-Baptiste aussi, il ne veut pas. Mais le sang de Jean-Baptiste ne peut pas nous sauver. Jamais. D'autres que le Seigneur est revenu, que vous là, vous attendez Jésus. Ce soir-là de Nazareth, c'est lui que vous attendez. Vous voyez, c'est du Seigneur. Il parle comme ça. Que nous, notre Seigneur, le Seigneur est déjà venu. Tu vas aller de groupe en groupe. Tu dois te garder parmi le troupeau. Parce qu'il y a une sentinelle, il y a un berger. Que Dieu t'a confié. N'oublie jamais ça. Il doit veiller sur toi et te nourrir par la parole. Toi, il faut prier que le Seigneur le garde toujours dans la. Dans l'humilité, Dieu bénit sa parole. Amen. On va se tenir de vous, mes frères. On va s'arrêter là pour vous.